Là, tu devrais m'entendre moins. Oui, là, c'est mieux. Tu m'entends moins? Oui. Tu devrais t'entendre toi aussi, si tu parles? Non. Ah, là, oui. Voilà. Merde. T'es déçu? Ouais, ah, attends, je vais changer le pan parce que comme ça, on est... Ah, quoi qu'on est peut-être dans l'autre sens. Dans tous les cas, on va cliquer là. Et du coup, on devrait nous voir, nous. Donc, du coup, je réfléchis. Nous, moi, je suis à gauche. Toi, t'es à droite. Nous. 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 C'est le goût. Nous. 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 Et du coup, il n'y a pas le bon truc. Ah, c'est ça. Hop. Là. C'est pas le bon truc. Eh, mais là, je suis pas sur la bonne fenêtre. Attends. Si, c'est bon. Voilà. Et voilà. C'est le shadow. C'est le temtem. C'est le temtem. Attends, regarde, je fais une alerte parce qu'elle a jamais été jouée. Parce que c'est Rikino qui en avait joué à GTA, il avait... Ça te met des alertes quand c'est des personnes qui ont pas déclenché l'alerte pendant le stream? Ça c'est le backlog, c'est la queue? Ça c'est toutes les alertes. Ouais. Salut Randall, ça va? Et ça en fait, c'est parce que il a jamais été déclenché en live. Et si je clique dessus, il va se jouer là. Alors on le voit très mal, mais il était là. Ouais, hop. Ouais, et new follower Rekino. Parce que Rekino, en fait, il a follow quand on avait terminé le live, genre 6 heures plus tard. J'ai reçu le mail. Voilà. Eh bien, bonjour Randall, comment vas-tu? Alors on va peut-être baisser la musique. Ou l'enlever. Ben, en fait, pour l'instant, je laisse parce qu'il n'y a pas de musique sur le truc d'intro et je trouve ça malaisant, regarde. Tu crois qu'il n'y a pas de musique dans le truc d'intro ou le jeu est peut-être bugué? Parce que tout à l'heure, le live qu'on a vu, il y avait de la musique. Ben, il y avait de la musique dans le jeu, mais je pense que sur l'écran d'intro, il n'y en a pas, en fait. C'est bizarre. Bah, ben, c'est une alpha, hein. Regarde. Ah, il y en a une, en fait. Merci. C'était peut-être bugué tout à l'heure, là. Les alphas, c'est fait pour que t'aies foi en les développeurs, quoi. Ouais, et ben écoute. Alors, garçon ou fille? Je vais faire un garçon. Mais du coup, là, c'est ta partie? C'est ma partie. T'aimes pas trop le coup de cheval? T'as vu? C'est pas vraiment garçon ou fille, en fait, c'est body type. Ouais. Et c'est bien, je trouve. Mm. C'est très... Inclusif. Inclusif, ouais. Oh, ses épaules. Attends, je vais remettre le chat d'un côté parce que là on a perdu. Voilà. Je vais comme un lundi. Bah, franchement. Mais c'est... on n'est pas lundi. Tu as comme un lundi un samedi, toi. Qu'est-ce que t'allais dire? Que si c'est lundi, on est tous loupés de boulot. Attends, puisque je suis. Non, il y a plein de petites coupes de cheveux mignonnes. Je sais pas, y'a pas moyen de... Non, y'a pas moyen, pardon. Peut-être avec les touches. Non, ça fait rien. Attends, je vais faire des randoms, voir un peu... Y'a plein de possibilités. J'ai l'impression que tu peux avoir des racines. Ce qui est notre cas. C'est-à-dire qu'on a les cheveux colorés, mais depuis longtemps, donc on a des racines. Bon, on va partir sur une base cheveux bleus. Avec... ça, c'est pas mal. Oh bien. Effectivement, donc on va dire cheveux... cheveux bleus, racines noires. Je suis pas sûr d'être prête à ça, il y a vraiment pas d'autres trucs. Hein. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Non, la raie au milieu là. Ah, il y a une raie au milieu, j'avais pas fait gaffe. Ah, c'est stressant. Il y a ça. Ouais, c'est les cheveux de Nénès, c'est un peu... Tu les as vus récemment, les cheveux de Nénès? Ouais. Elle est pas là pour l'entendre, mais... Voilà quoi. Non, mais moi j'aimais bien ça. Non, c'est vrai, t'as raison. Maintenant que tu m'as dit la raie au milieu, je la vois tout le temps. J'arrive plus du tout à m'en défaire de l'idée raie au milieu. Là. Ouais. Si c'est moi, c'est ça. C'est pas exactement ça quand même, c'est plus ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je suis plus comme ça ou comme ça? Je suis plus comme ça, je pense, non? Ouais. Ça, c'est pas du tout mes yeux. Le matin, t'es un peu comme ça. Salut Eldra. Salut Eldra. Les yeux rouges. Ouais, tu peux faire n'importe quoi. Hein. Non, moi j'aime bien faire des personnages qui me ressemblent vaguement. Niveau couleur de peau, c'est pas trop ça.
peu plus long. Il n'était pas trop rosé. Ouais. Comme ça. Un peu entre les deux. Alors, un petit crop top. Et franchement, tu prends le sweat à capuche et tu le mets vert et noir. Comme... tu peux mettre rien du tout. T'as vu comme il est le berceau, comme ça. Je me regarde pas quand il est. Ouais, j'ai vu. Vert et noir comme ça. La barbe et les lunettes, ouais, ça te donne dans les options après. Ouais, ouais, la barbe et les lunettes, ouais. Ben ça va le drap et toi ? L'inverse. Ah ouais ? Ouais. Comme ouais mais Ouais ? Non, j'aime pas ce vert. C'est ton pull pour ça. Ouais, mais non, c'est pas ce vert là mon pull. Mon pull, il y a un vert beaucoup plus flash. C'est vrai que j'ai pas vu barbe et lunettes. Ouais. Après on est certainement dans un monde où déjà les gamins, ils ont pas de barbe. C'est vrai. J'ai l'impression d'avoir un vieux truc Adidas là. Ils sont allés au vieux campeur. En fait, c'est la version. Là, j'ai prévu le coup. Là, je suis parti un peu à l'arrache. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de barbe en fait. Hein. Après, enfin, c'est une alpha donc. Ça sera peut-être un DLC. Mais ils ont prévu des trucs. Space pour finish. Choose a name. Ça rentre pas. Ça rentre. T'es sûr de vouloir mettre. Ok. Quoi ? T'es sûr ? Ah, je peux pas parce que c'est que. Juste pof, quoi. De toute façon, c'est que. Aldra a subscribe. Elle s'affiche les alertes ? Ah oui, mais dis oui à follow aussi. Eh ben, salut Doui. Et salut Aldra. Je ne savais pas que t'étais pas abonné à la chaîne. Souscrivez un abonnement. En fait, je vais plutôt mettre comme ça parce qu'on les voit pas sinon les alertes. Ah ouais. Et j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas eu la nouvelle alerte, du coup, il y a eu l'ancienne alerte. Attends, si je les rejoue. En fait, du coup, je comprends l'intérêt de le mettre dans un. Dans un quoi ? Ça ne marche pas. Voilà. Je comprends l'intérêt de le mettre dans un truc puisque du coup, tu le mets ici. Et là, tu les as là. Je vais te la mettre dans un coin. Hop. Ouais, c'est ça, c'était une sorte de zombie. C'est pas du tout censé faire ça, c'est censé faire ça. Tu vois, comme pour Dewey. Et alors, je sais pas pour toi, ça a pas pris la nouvelle alerte. À la place, pour toi, ça a fait le zombie. Moi, je le trouve beaucoup plus funky, le zombie. Mais c'est parce que t'as subscribe et t'as pas follow, donc c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'il est pas... Et ça, c'était Rekino, tout à l'heure. Alors, eh ben dis donc. Pof, tu fais dodo ? Regarde, c'est ma maman. Comme dans tous les jeux. Tu veux dire comme dans tous les jeux où t'as une maman et pas de papa. I got this dream. Eh ben, tu ferais mieux de te lever, hein ? Ils t'attendent, hein ? Mais qui ça ? Oh là là, il perd la tête. Oui, non, c'est compliqué. Sinon, je baisse nos voix, en fait. Tu hurles dans les oreilles. Ah, mais c'est parce que je hurle dans les oreilles des gens. Ah, c'est un truc de fou. Je sais pas comment vous supportez ça. Regardez, en fait, non, j'ai pas moyen de baisser le retour du casque. Je sais pas comment on fait. C'est pour ça qu'on avait des casques avec un slider là. Mais on l'a plus. Parce que slider. Les mondes parallèles. Oh là là, tu te souviens plus de quelle journée ? Aujourd'hui, c'est. Jeudi, c'est... Lundi, il a dit. Apprentice Eve. C'est l'Ève des apprentis. Exactly, my dear. Ah là là, c'est tout à fait ça, dis donc. Tiens, un Tempédia. Ah. Et voici ton... Qu'est-ce qu'un Tempédia ? Ton truc. Ah là là, mais dis donc, tu vas aller à l'académie et comme ça... Et je me suis dit, t'auras besoin d'un bon Tempédia. Ok. Et moi, je l'aime pas. Ah, merci. Est-ce que bon, ça marche ? Alors, un Tempédia, c'est un Pokédex, en fait. On n'avait pas les droits, du coup. Bah, le but, c'est qu'il fasse un truc qui n'est pas exactement identique.
Alors, et après, comme ça, tu peux aller voir le professeur Shane Constantinos et lui montrer comment ça marche. Et maintenant, t'en as un et tout le monde t'attend dehors. Allez. Ah bah c'était bien la peine de mettre le truc en 1080p pour avoir des barres, c'est bon. Waouh. On va voir le petit cochon. On va avoir un souci. C'est que il s'en fout de qu'est-ce que j'ai mis comme clavier. Non, c'est pas grave, on va le switcher comme ça. Clavier anglais, allez. Alors tu veux voir le petit cochon? Oui, parce qu'on peut Allez. interagir avec. Bah non. Par contre, les contrôles sont vraiment très bizarres. J'ai vraiment l'impression de diriger un truc chelou. Regarde. Tu veux le tester? Est-ce que tu peux pas modifier ça dans les... Déjà vu. Il y a une espèce de latence bizarre. Non, tu peux rien modifier, regarde, il n'y a pas d'option. Elle est grisée. Et tu peux interagir avec rien. Et c'était... Attends, à gauche, tout à gauche, non? Squad. Ah, c'est ton TPI, du coup. Ouais, c'est les. Voilà, donc là, c'est ta maison. Tu peux rien faire. Ou alors, faut appuyer sur un bouton, peut-être. C'était Espace. espace, je crois, dans Bah, c'était espace pour valider, donc. Ça m'étonne quand même que tu puisses rien faire. Surtout avec le couteau. le... Ouais, le couteau. Le livre. C'est peut-être pour cuisiner, après, les tam-tams. Allez, C'est ça, en on fait. va sortir. Lodingue! On voit que c'est une alpha quand même. Dans le style. C'est pof! Bravo! Bravo d'être toi. Bonjour de l'apprentissage et la meilleure des chances. Ah là là, tout Zadar est ici. Bravo, pof! C'est un grand jour pour toi. Mais aussi, c'est peut-être un peu triste de te voir partir. Tu vas nous manquer. Ah, voici un petit peu d'argent. Tu en as peut-être besoin à Brissaldemar. Maintenant que tu vas à l'académie. C'est merveilleux. Merci beaucoup, mes chers amis. Mais pof, où est ton ami Max? Ah, il a les cheveux bleus aussi. Hé! Quelqu'un m'appelle? Je suis Max. Ah, salut, pof. Ah, dis donc, tu vas au même endroit que moi. Est-ce que tu penses que le... Oui. Ok. Oui, non, je t'écoute. Ah, je pensais que tu répondais à ma question. Je ma question. Que l'apprenti est randomized. Enfin, que ton Ah, le nom? rival... Non, que ton Ah, rival est le... randomized Je sais pas. l'apparence. Faut peut-être regarder chez d'autres personnes comment ça Please va. take care of Puff, children. They grow so fast. Ah, and they're gone one day. Don't worry, my dear Anna. I'll walk Puff and Max. Je Max. donne pas 5 minutes à tout le chat pour se barrer. Déjà, y a plus personne qui parle, tu Ouais, je pense qu'ils sont déjà partis en fait. vois. Moi, je comprends. Tu vois? Non, il y a Cassez-vous. quand même un viewer de chaque côté. Partez-vous! Je sais pas ce qu'il nous dit, mais en gros, on va se balader quoi. Ah, il te trash. Eh oh. D'accord. Il dit en gros que je suis une merde. Super. Randall qui est là, qui nous regarde. Il va avoir une médaille du courage. Et il s'en va. Ah, tu vois? 5 minutes de T'es Randall à car, plus. pof. À plus tard, Randall. Bonne soirée. Peut-être. On ne sait pas. Qui sait? C'est l'intention qui compte. Mais d'où il a follow il y a 12 minutes. Peut-être qu'il est encore sur le live. Ou alors peut-être qu'il est venu, il a follow et il a fait Oh, c'est de la merde. Il s'est Il est cassé. venu, il est venu, il a compris. D'où il y a ta. Bah, si on peut interagir, je sais pas comment on fait. Hein. C'est vrai que tu puisses pas parler au PNJ. T'as vu ce qui est marqué? When I will map, when I grow up. Je serai une carte quand je grandirai. Alors, faut faire entrer peut-être. FTR. Ah, j'ai Ah. trouvé. Je sais pas ce que Sauf que c'était, t'as mais j'ai tellement trouvé. d'appuyer sur tout, tu sais même pas les toucher. Ouais, ben c'est pas grave, je vais recommencer. Bah, c'était F, mais j'ai déjà fait F plein de fois. Et du coup, là, je le fais vraiment plein de fois. Du coup, on peut retourner dans la maison. Faire des F partout. Non, il n'y a vraiment aucune interaction, en fait. Après, franchement, si j'étais un développeur de jeux vidéo, c'est pas les trucs sur lesquels je me concentrerais pour une alpha. On peut pas se jeter dans le vide. C'est triste.
Adrien, il fait FF14. Du... Ok, très bien. La meuf, elle veut se la péter parce qu'elle sait lire les chiffres romains très vite. Non, c'est ça. Super, les maisons sont fermées. Bonne ambiance. C'est la partie des échelles sur des que j'ai pas encore fait. Et comme je suis... C'est passé par là. Pourri. Et que j'ai raté les soldes de style. Je vais attendre un peu. Bien qu'il doit être plus très cher maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, ça fait souche. Mais qu'est-ce qui a fait souche? C'est le jeu? Ou ouais. C'est le Twitch? Non, le jeu, parce qu'il y a rien qui s'est passé. Alors, comment ça s'appelle cet endroit? Bah, ça s'appelle Zadar. Oh, mais dis donc! Histoire pas intéressante. Merci. Ah. Ah, ça y est. Franchement, j'avais marre de ces gens-là qui t'arrêtent quand juste t'as envie de te balader dans l'herbe. Et ça, c'est pas boire de la bière. Et pof, où tu vas? Qu'est-ce qu'elle aurait dit ta maman? Il faut que j'aille voir le professeur Patchen. Qui doit être là. Eh paf, congratulations! Oh, je suis un peu jaloux. Brisal de Mar. Tu vas à Brisal de Mar. Et je dois rester ici. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Eh paf, viens ici, je suis le prof Constantinople. Ah, les amis. Comme vous le savez, c'est le jour de l'élève d'apprenti. Je comprends pas comment tu peux traduire ça. En fait, ce serait la veille de l'apprentissage. Je sais pas. Ce qui veut dire que vous avez appris la théorie de Temtem. Maintenant, il est temps de faire la pratique. Vous voyez ces jarres en glace, en verre. Qu'est-ce qui se passe? T'as une breaking news Pokémon Go? Ouais. C'est quoi comme Pokémon mis dans la bus? Bon. Eh bien, vous voyez, là, il y a plein de Temtem depuis tout l'archipelago. Est-ce que vous en avez des digitales? Les digitales Temtem sont une très récente invention, mon jeune ami. Je pourrais écrire à l'un de mes collègues de Sipanku et voir s'il peut en donner un, mais non, je n'ai pas ça maintenant. En fait, ils sont déjà en train de teaser une extension avec des digitales Temtem avant même d'avoir commencé le jeu. Oh, il est mignon. Ah, I have one. Ok, d'accord. Super. Les Dravus, c'est des Feu Forêt. Ils ont release le Shiny de Feu Forêt. Ah, ok. Eh, où est-ce que t'as eu ça? Ce n'est pas grave, paf. On s'en fout. Les Temtem, c'est bien si tu les fais bien. On s'en fout qu'ils soient digital. Ok, t'as vu? C'est ce qu'il a dit. Oh là là, mais comme ton ami il a déjà un Temtem, eh bah du coup on va rien lui donner. Eh oui, il avait qu'à fermer sa gueule au lieu de se la baigner. Du coup, choisis ton préféré. Dis donc, pourquoi lui il peut choisir, moi je peux pas. Ta gueule. Il lui a dit ta gueule, hein. Il a dit quiet please. Ouais, Your first Temtem is always important for every Temer. Alors lequel on prend? Celui-là il est stylé avec ses boules tournées. Bah, c'est marrant parce que normalement dans les jeux comme ça, que ce soit Pokémon ou autre, tu as en général le choix entre trois persos, bêtes ou personnages qui sont opposés. Donc d'habitude dans Pokémon pourquoi, c'est surtout... Pourquoi il y a une meuf qui danse au milieu des étagères là? Ouais, bah, donc t'as en général en fait des types antinomiques, en général c'est feu aux plantes dans Pokémon. Là, les deux premiers, on pourrait croire que c'est plante. Mais en fait, feu. Je vois un truc feu, donc c'est ouais, étrange. Ouais, bah ouais, mais les cristaux pardon, autour. Là, on dirait que c'est force on plutôt. Du combat, et ça, c'est psychique. Psy. Donc, après, moi, je t'avouerais que. À part le combat, les deux ils me plaisent bien. Ah ouais, moi, je le trouve mignon, lui. Surtout là quand il s'est mis debout. Ouais, c'est là quand il s'est mis debout, mais lui, en fait, ça fait je sais pas, une petite pistache. Moi j'aime bien ça, c'est stylé, ça fait bouger des trucs. C'est exactement Je vais prendre celui-là. Le truc que j'ai vu il y a pas longtemps. Mental Temtem. Ah bah du coup, montre les autres. Mental Temtem. Ah, il te dit en plus à quoi c'est. Tu vas les noter? Au moins qu'on sache aussi retrouver, j'aimerais bien voir les types qu'il y a. Donc on a un Melee.
mental. Donc c'est bien des cristaux et mental. Ok. On va lui dire non, on va demander les autres du coup. Bah, c'est ça, lui ça doit être mêlé. Ah, alors, regarde, il y a terre aussi. Ah, il te dit, ok, donc lui il a une double. Force. Et il a gagné dans un pub. Ouais. Est-ce que quelque part, un temtem gagné dans un pub, c'est pas un temtem pour nous quoi. Je sais pas. Celui-là il est fort contre électricité et mental, mais il est faible contre feu et. Et celui-ci en fait il a l'air cool, mais en même temps. Ah, il est strong contre neutral et mêlée. J'en sais rien en fait, comme je sais pas la distribution, je sais pas lequel. Non, moi je prendrais celui du bas. Hein. Celui-là ? Au début c'est celui que tu voulais pas prendre. Mais je sais pas, il est. Smarty. En fait je me dis que. Après c'est... moi c'est une partie donc je prendrai ce que je veux, prends celui que tu veux. J'hésite parce que j'aime bien les trucs psychiques, mais c'est vrai que celui-là il est cool visuellement. Celui-là je trouve qu'il fait. Bof. Tu connais pas, je suis sûr qu'en plus il va avoir des évolutions donc s'il faut à la fin. Là c'est peut-être trop un abra. Waouh. Ça dépend, est-ce que tu vas prendre celui-là toi ? Je pense. Bon, bah, je vais pas prendre le même. Parce que j'hésite entre les deux. Celui-là il me plaît pas trop. Tu penses déjà aux déchets ? Ouais, ouais. Ah non, hein, s'il vient pas avec ses petits ronds, moi ça me. Du coup, est-ce qu'il tombe ? En fait, il vient pas avec ses petits ronds. Et il tombe pas. En fait, ça, c'est ça va rien avoir. En fait, c'est son mobile de chambre. Ouais. Hein. C'est t'as des fils qui tiennent en haut du plafond. Hein. Ok. Et t'as vu, il est là ? J'ai fait très attention à l'overlay pour pas que ça masque cette partie-là. Mm-hmm. Uchik. Niveau 23. Alors, c'est marrant de voir parce que du coup, les stats, ils ont des HP, j'imagine. Stats, c'est quoi ? Stamina, j'imagine ? Peut-être. Ou alors. Speed attack, spécial attack, spécial defense. Mais SVTV, je sais pas ce que c'est. Ça doit être les IV et les EV en gros. Trend value, spécial. C'est quoi la différence entre la stamina et les HP ? Ça va être le. Bah, la stamina, c'est magiques, l'endurance. Donc. Ah oui, ça doit être ça. Parce que je vois qu'il y a oui, c'est ça, c'est les PP en fait. Bah, les PP, tu les as par attaque d'habitude. Tu vois, à côté d'hypnose, tu vois 10. Ah ouais. Ou alors, c'est le coup. Je sais pas. C'est le coup, peut-être. Tu, dans ta barre, tu en avais 21. Et, c'est le coup d'utilisation des PP. Je sais pas. Bah, tu vraiment quoi ? Genre, t'es. You think you're better than me? Let's see what you can do with it. What you can do? Donc c'est vraiment. Lui il a un temtem électronique. Mais nous aussi. Ah, mais nous aussi. J'ai l'impression que les temtem c'est des créatures digitales quoi. Donc en fait, bah c'est bizarre parce qu'il disait j'en ai pas. Pourquoi il disait j'en ai pas et tout d'un coup il dit j'en ai. Alors Z c'est détail. Non, ah oui mais c'est parce que j'avais pas vu anglais. Ok. Non, c'est marrant parce que du coup. Psy. Faut voir ce qu'il met en dommage et stamina. Et priorité. Bah, il te nique dès le début ta priorité. Ah oui c'est genre qu'est-ce qu'elle attaque en premier je pense. Ouais. Normalement, le genre de jeu, c'est basé sur la vitesse de l'attaquant. Mais tu peux avoir des. Non, en fait, ça te bouffe bien de la stamina, c'est ça. En fait, c'est combien ça te bouffe de stamina, le nombre de PP. Enfin, ça, c'est pas les PP, c'est le nombre de stamina. J'ai l'impression que c'est grisé, quoi. Bah, ceux-là, j'ai l'impression qu'ils sont grisés. Ouais. Notre Eddy. Ok, donc il faut peut-être en plus les recharger. Ouais, c'est étrange. En tout cas, il veut que tu kicks. Hein, bon, après, c'est peut-être parce que c'est le tuto. Temtem. C'est l'heure du duel. Exactement. Choose the Temtem. Je vais attaquer celui-là. C'est clair qu'avec les cartes, c'est très Yu-Gi-Oh. x2, super. Il a un Temtem qui est... level 7. Non, qui est level 7. Qui est efficace contre toi. Et en plus, en fait, quand ça te bloque les moves que t'aurais pu utiliser. Quoi. Tu as gagné, Max. C'est Digital Temtem. Ah, mais Digital, c'est un type, en fait. C'est pas Oui, oui, oui.
C'est pas le... Ouais, pourtant, au début, ils nous auraient pas parlé du digital. It's all about the tamer, not the temtem. Didn't you say that a minute ago? Teach. Congratulations, Max. Don't let the first defeat affect you too much, Puff. You never really stood a chance against Max Hurry. Digital tandem are a rare and powerful innovation. Let's take a look at your... Ushik, il s'appelle. You could use a plaster and some balm there in. Donc les, ça s'appelle des baumes pour soigner. Donc, I have something for you, Puff. Oh, qu'il est mignon. Qu'est-ce que c'est? Vous avez eu un two-way eye. Un two-way. Ah, donc, okay. Il t'enfile un deuxième direct, quoi. Taxonomically, est-ce que ça veut dire taxidermiquement? Je sais pas. Non, je sais pas comment tu le dis en français. Eh bien, ce Wind. Non, Wind, donc on a. Mais ils disent que c'est le Super Order. Oh, je pense que le. Donc, le... je pense que c'est pas un type en lui-même. Bon, et apparemment, il morphe par rapport à son environnement. Cool. Elle fait quoi, j'en ai pas. Fait, mais t'as ton truc digital, arrête de casser les couilles. Ouais, le combat, je pense qu'il est bien scripté au début, mais ça va être marrant. Ah oui, non, mais c'est sûr que le combat, il est scripté, mais c'est marrant aussi qu'il soit scripté dans ce sens-là, parce que dans les Pokémon, il est certes pas scripté, mais en fait, c'est impossible de perdre dans le premier combat Pokémon. Hein. Les tout premiers que t'as, les deux premiers que t'as contre le... Le premier contre le rival, tu peux le perdre, hein, parce qu'en fait, ça m'est arrivé une fois, il suffit que... au début, t'as en général dans Pokémon, quand tu l'as, ils sont tous les deux niveau 5, t'as une attaque en fait qui te fait du buff de stats et une attaque offensive. Il suffit que l'autre te cale une attaque offensive critique qui te fait x1,5 alors que vous avez à peu près la même base stat de défense. Mmh. Il a pris un avantage, il défonce. Mais c'est très rare, mais c'est pas impossible. Dans tous les cas, tu feintes et dis ah, mais j'ai gagné. Mais... Ça m'est jamais arrivé. L'important c'est de le battre à la ligue. Hein. tu peux le perdre sur les premiers Pokémon. Merci. Ah, les années d'expérience de Pokémon qui parlent. Pourquoi il y a une banane là? C'est bon, je peux partir? Alors, est-ce que là, tu vois, le Nao et Biyu, là, c'était des... C'est des vrais joueurs, des je joueurs. Pense. Alors que les PNJ, tu peux passer au travers. I'm sorry, I couldn't attend your big send-off, kid. I never noticed you did. Moi aussi, je crois que ça m'est arrivé sur un premier combat de perdre, mais je crois que ça m'est arrivé à... Peut-être XY, un truc comme ça. Bon, bah, j'ai chopé une quête. Ah non, il y a le mec là-bas, il a pris le Pokémon Crystal. Okay. Le Pokémon Crystal, j'ai pas mal fait. Ah oui, c'est vrai qu'il se bat derrière moi. Ouais. Ça, on a mis quand même 10 ans à ce que Game Freak en fait remette sur Pokémon les Pokémon qui te suivent, alors qu'on avait ça dans... Dans le 2 quoi, enfin le 2, non, le deuxième jeu. Non, dans le remake du 2. Bah, c'était pas dans Pokémon Pikachu? Pas Yellow, oui, là. Oui, mais t'avais que Pikachu. Bah Yellow, mais... c'était pas un remake du 2, c'était un 2 entre guillemets, enfin le 1,5. T'avais que Pikachu, tandis que dans Heartgold, Soulsaver, qui est le remake du 2, peu importe le Pokémon que j'ai tu prenais, ce tu l'avais quoi. Enfin, Allez, on attrape les Pokémon. Non, le Temtem. Okay. Ah, ils sont belles. Là. Ah, tu peux avoir des doubles combats dès le début quoi. Apparemment. Ah, t'as vu, les Temtem ils sont genrés aussi. Où ça? En ah gros, oui. Ils sont... enfin, je... les tiens ils ont pas l'air. Mais... Tateru et Paro. Mais j'ai pas le droit de faire ça, hein. Je sais pas pourquoi. Bon, on va faire un kick. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Pique, ça doit être, il doit taper avec son bec, j'imagine. Oula, moi aussi, je tape sur les... Et ça, bah, c'est du vent. Tam-tam ou tam-tam? De quoi? Les tam-tam. La tam-tam! Allez!
C'est un combat un peu plus équitable. T'as vu qu'il y a ta main en bas qui apparaît? Là? Quand tu donnes un ordre. Je vais regarder. Oh là là! Ok. Ta défense baisse. Ça va, j'ai cru que c'était une attaque plus dangereuse. Ténèbres. Mon attaque baisse. Lui, ils sont en train de le down complètement. Ah bah là, je peux les utiliser. En fait, ça doit être pour pas les utiliser au premier tour. Alors regarde à gauche. Quoi? Je suis hypnosis. Ouais. Ah, mec, c'est un agressif pour tout à l'heure. Je pensais qu'il est marqué arrive au bout du deuxième tour. Ah ouais. J'ai pensé aussi. On va tenter psy plus. Et on va tenter pique sur celui-là. C'était pique que j'avais fait déjà. Regarde, il y a un bas à gauche. Bah je vois mon nombre mais je l'ai pas vu de main. Ouais mais c'est peut-être aléatoire. Mais... Ah oui. Tu vois. Oh non, j'étais sûr que j'allais le buter. Je voulais le récupérer. Tu sais même pas comment les capturer. Si, il faut leur envoyer une carte. Comme dans Yu-Gi-Oh! T'as une carte? Ouais, ils m'en ont filé 5. T'as pas suivi? Hein. Non. Attends. Ça, je sais pas, ça va être pour changer, j'imagine. Ça, c'est pour passer ton tour. Mais tu peux passer ton tour, c'est intéressant ça. Regarde, parce que s'il est plus rapide, il va attaquer avant que tu captes. C'est vrai. Bah non, je l'ai attrapé. Ah. Y'a pas d'animation quand tu les attrapes. Quoi? Yo. Vous avez pas fait un marathon Twitch il y a pas longtemps, Yu-Gi-Oh d'ailleurs? Si, ils en ont fait plein. Ils ont refait un marathon Pokémon d'ailleurs. Ouais, ce matin il y avait le film. Ça on passe là ou pas? Ouais. Devant un petit déj, j'ai regardé le. Le film? Tu sais, le film où il cherche Dracolos depuis un phare, on peut plus le passer. Et du coup, tu peux désamorcer un combat? Parce que les gens sont polis. Ah, ça a pas marché. Mais j'aime bien le principe de l'autre, il fait « Hey, on va se battre !» Puis il fait « Mais t'es machin !» Oui, mais bon, c'est pas le sujet. Moi, je veux le pig-épic, là. Ouais, mais là, on va pas pouvoir l'attraper. Hein. Non, on sait pas. Mais ça, c'est leur mascotte. Depuis le début, c'est ils montent le pig-épic à tout le monde. Tout le monde est ouf, trop. Eh ben, on va l'avoir en peluche. Il me semble que dans le Kickstarter, c'était l'un des lots qu'on avait. Oh, trop cool. Je vais essayer de moins utiliser la souris parce qu'en fait je suis comme ça et je me fais super mal au bras. Voilà. Okay. C'est mon histoire. Dans le système judiciaire. J'ai l'impression qu'on regagne de la stamina aussi à chaque tour. Ça marche pas. On va faire psy plus. Sur. Lui, parce que c'est le plus fort. C'est bien de voir après le Temtalia là. Ouais, faut qu'on regarde. Mais ça se trouve, on l'a pas encore. Hein. Ah, tu l'as pas donné au début? Si, mais ça se trouve, il est pas dispo dans l'alpha. Ah. Désolé, je t'ai connecté derrière. Hypnose. Pique. On est sur un décès. Hypnose, ça l'endort. Ça sert à rien. C'est ce qu'on a regardé tout à l'heure. Ouais, je sais, mais j'ai pas réfléchi là. En fait. Ça va, c'est bon. Ah bah j'ai appris un nouveau truc. Shrill Voice. Ok.
et j'ai gagné 43 points soum. Ils ont monté le niveau là. J'ai pas regardé, on va regarder. Parce que j'ai vu les stats monter. Tu vois, il est pas dispo le Tempedia. C'était pas ça? C'est pas le Tempedia. Ouais, ils ont monté. Ouais, ils ont monté, ouais. Mais d'où je l'ai eu, lui? Tu l'as capturé tout à l'heure, en fait. Ah, ok, d'accord. Voilà. Je savais pas. Je crois que tu vas te faire prendre. Je crois que tu vas te faire prendre un sandwich. Mais vous parlez beaucoup dans ce jeu, dis donc. Qu'est-ce que c'est? Tous les combats ont pour l'instant été un double. C'est vrai. C'est vrai. Je regarde juste les derniers tweets. Aldra s'est abonné à la chaîne. Ta mère est étonnée que j'aime plus le fromage. Continuez comme ça, faites 3000 pas. Les gens sont contents qu'il y ait une mise à jour de Podcloud. Oui. Ouais, où? Tu t'es battu à ma place. J'aimerais bien en choper un de Tateru, c'est pour ça que ça m'a fait chier de l'avoir buté tout à l'heure. Non, parce qu'en fait, là, au prochain tour, si tu finis pas de tuer le premier, tu vas te prendre deux attaques dans la gueule. Ah alors ouais, là, mais alors toi, tu fais vraiment de la vraie stratégie, quoi. Ouf, t'as fait un... Un fois deux, j'ai bien sûr. Très critique. Enfin, alors, quitte à avoir baissé les 12 heures, au moins t'es sûr qu'au prochain tour, t'as pas autant de dommages reçus. Non, mais t'es... T'es une raid de la strat, hein. Et là, je vais passer mon tour. Non, c'est trop changé. Mais c'est intéressant quand même qu'il ait passé son tour. Et je sais pas si c'est ça, je voulais tester justement, mais je me suis chié dans les boutons. Yu-Gi-Oh! Parce qu'il y a des fois, enfin, surtout quand. Pas trop en combat, mais plus quand t'es en mode chasse et capture, où t'as peut-être plus envie de passer ton tour ou autre, plutôt que de. Bug in grass. C'est mais non. Ça veut dire quoi ça? C'est un autre joueur. C'est, t'as raison, c'est que des doubles. Oh, il y a deux pigs. Ce qui est un peu lourd, je trouve. Bah, je trouve ça intéressant, mais j'aime bien le combat de doubles. Ah, donc il y a vraiment des trucs que tu peux pas utiliser tout de suite. Ce que je regrette un peu dans le nouveau Pokémon, parce que en fait, vu que dans le premier Pokémon il n'y avait pas de combat double, là la map et les jambes, comment elles sont apportées, t'as pas tellement de combat double. Il les force un peu pour te montrer que tu peux le faire, enfin, mais. Mmh. C'est pas dans ça. Alors que je me rappelle que dans le Pokémon dans lequel ils avaient introduit les combats doubles, ils avaient forcé ça tout le temps. Ah mais oui, bah je vois pourquoi tu me dis ça, parce qu'en fait, si jamais le premier est mort avec le premier coup, de toute façon ça attaquera le deuxième. Mais ça en fait, oui. Ça se trouve c'est pas le cas, on va voir. Ah mais Shrill Voice ça attaque les deux en fait. Bamboozle, c'est génial ça comme nom d'attaque. Il boop son boop. Il s'est fait mal tout seul. Il s'est fait mal tout seul parce qu'il s'est suraccédé. Ça, je peux pas le réutiliser. En non. Fait, il y a vraiment une. Notre radis. Pas de radis. Vas-y, essaie de. Ah, je vais détaquer le même pour voir. Ouais, oui, je suis désolé. Il est mort. Mais pas, il s'est attaqué tout seul là. Comment ça? Il s'est attaqué tout seul là. J'ai mis click? Non, je sais pas pourquoi. Quoi? Ouais, je sais pas, c'est étrange. Over exertion. Je sais même pas ce que ça veut dire, over exertion. Bah, peut-être qu'il est trop utilisé, mais du coup, c'est peut-être pour ça que t'as passé un tour. Je sais pas, c'est étrange. Stare.
sur Manal. Ah ouais. En fait, tu fais faire des burn-out de 10 minutes de jeu. Mais c'est peut-être parce qu'ils ont plus de trucs et en fait, faut surveiller quand tu les utilises. C'est ça, je pense. Hein. Ouais. C'est qu'en fait, ils ont plus de stamina. Et quand ils ont plus de stamina, ils perdent de la vie. Ce qui me semble logique. En fait, tu peux faire tes attaques. Mais en fait, t'as plus de stamina. Et ça, ça pue le truc. Si tu te blesses, t'attaques pas. Donc, t'as intérêt. Donc, t'as tout intérêt, peut-être, au premier tour. Comment on fait pour les soigner? De passer. Pour ouais. avoir ta deuxième attaque débloquée. Ou avoir ce qu'on se prévoit les gens. 25% de l'HP ou. Je peux pas le ressusciter. Ouais. Pourquoi t'es pas allé voir le professeur? Pourquoi il a dit qu'il l'a ressuscité? Bah je sais pas, c'est le début du jeu, mais t'as forcément ta mère. Ma mère? Ouais. Ta mère t'as dit. Oui. Mais pas là ta mère. Je comprends pas, qu'est-ce que t'appelles ta mère? Ta mère. Ah ta mère? Maman. Vraiment ta mère? Oui ta mère. Ok, parce que je pensais que tu disais tamer. Tamer. Ah, c'est un combat sauvage. J'ai chopé le tatéro. Hein? Cette peau façon pour les roues. Tatéro! Ouais. Toi t'es roux! Eh, je vais te choper! Je vais te choper, toi t'es roux! C'est pas pour en fait un PDP avec Phil. En 2028? Non, je sais pas, il faut. Hein. Je suis étonné qu'il n'y ait personne sur Twitch. Je pense qu'on a démarré le live trop tard parce qu'il y a des gens qui font des lives sur Twitch. Regarde, on est les deux seuls en français et lui il a tous les spectateurs. Viens, on va sur son live, on fait eh oh. Il a bien raison parce qu'on est un peu chiant. Mais... De quoi? Qu'est-ce que tu dis? On est nul du cul. On est nul du cul, tu dis? Pourquoi nul du cul? Alors attention, je vais juste le taper. Et là, je vais passer mon tour. Attention, je suis sur le tapis. Et meurs pas! Merci. Et baba. Et là, il utilise Tendon, Tenderness. Ah, c'est marrant, moi j'ai les Tenders. Des Tenders. Et là, il le regarde et là, tu fais OK? Merci. Et bah, dans ce cas-là, puisque tu me regardes comme ça, tu sais quoi? La prochaine fois que tu me tapes, je mets pas les mains. Et tu te reposes. C'est un peu l'idée. Allez, Temtem Card, allez. Tiens. Ah oui, toi. Bah toi, tu le défonces, lui. Ah, c'est marrant, parce que Capture... Send to Squad. Capture ne te prend qu'une action, donne des Temtem. Ouais. Pourquoi ça prend les deux dans Pokémon? Quand tu captures, tu perds ton tour. Je sais pas te dire s'il y a des captures à deux. T'es seul alors. Bah non, ouais, ça arrive jamais parce que t'es forcément seul parce que quand c'est à deux, t'es avec un dresseur. Et non, ah si, il y a le cas où ça se produit, le seul cas où ça se produit, c'est dans la génération 7 quand t'avais XY, Soleil, Lune, génération 8, quand t'avais les hordes. Et oui, mais quand t'avais les hordes, toi t'étais pas deux. Toi t'étais seul. Et eux, ils étaient plusieurs. Et là, t'avais 5, pas le droit de les attraper, je crois. Et tu ne pouvais n'attraper qu'un. Et c'est pour ça que des fois, en fait, t'as des gens qui utilisaient les hordes en fait, pour aller chez eux, parce que c'était hyper intéressant. Tu lançais. Ouais, tu faisais une chaîne. Tu fais. Même sans faire de chaîne. Bah, t'as invoqué 5 instances de, oui, bah oui. D'un Pokémon, donc potentiellement, il y a plus de chances. Mais en fait, tu faisais une chaîne, parce qu'il me semble bien qu'ils les butaient. Et ils en laissaient toujours un ou deux en vie. Au final, ils s'appelaient. Non, ça ah, c'était pas les ordres, oui, ça c'était. Non, c'est les appels amis dans Soleil et Lune. Là, je parle vraiment des ordres. Du coup, de l'ordre XY qui devait avoir ça. Et des fois, c'était cruel parce que t'avais plusieurs shiny qui popaient dans l'ordre. Ouais. Oui, et donc du coup, t'étais obligé d'en tuer un. Hein, ouais. T'étais obligé d'en tuer un. Tu vois, regarde, là il en a 6, ça utilise 8, donc du coup ça me bouffe un peu de vie, c'est marqué en fait. Ah. Et là ça me bouffe carrément beaucoup de vie. Et en fait ça tape sur ta vie, et donc lui, pouf, repose-toi. Parce que de toute façon on n'a pas besoin de toi, on peut... Et je trouve ça vachement intelligent comme système. Et du coup pour en finir avec les hordes, il y a des fois des gens qui
se planter parce que lui il était pas non plus hyper clair et qu'il tapait les mauvais Pokémon. Ouais, t'es un peu fidèle quand tu fais un chenille. Il était pas hyper clair et il tapait le mini. Lui était pas hyper clair. Quand c'est qu'à lui. De Pokémon quand tu quand t'attaquais. Lui. L'interface utilisateur. Ah, lui. Oui. Le UI. Et du coup, c'était pas clair. C'était pas hyper clair. C'était clair, mais enfin, tu pouvais avoir des mauvaises compréhensions ou des misclics. Des personnes qui tuaient les trucs à côté. Quoi. Ah bah, un revive. On va revive. Michel. Ok, donc tu peux faire ton propre pesto. Comment ça? Tu peux pas vraiment aller voir ta mère. Hein. Ok, on va voir ma mère. Ouais. Très bien. Elle fait rien dans le jeu. Crame pas tes trucs. Déjà, il n'y a pas marqué que c'est ma mère. Il y a marqué qu'elle s'appelle Leina, là, ou je sais pas quoi. C'est pas parce que vous avez pas de lien de sang que tu peux pas avoir de lien du cœur. Mais peut-être qu'on a un lien du cul. De quoi? Ok, mais pédophilie, je crois. C'est un nouveau celui-là. Ah non. Parce que je sais pas, il y a eu un bruit chelou, je me suis dit c'est peut-être leur cri. Parce que ça l'a fait. En fait, à mon avis, ça affiche les deux cris, mais dans l'ordre des thèmes. Je le connais déjà, c'est pas la peine, j'en fous. salut, bon, c'est pas la peine. Ciao. Je sais pas où est ma mère. Bah, je suis sûrement chez nous. Non, à gauche. Ouais. Ça lag un peu. Hein. Ah, ouais. Oh, cassez-vous de chez moi là. Ah, you're back. Je sais pas ce que j'ai répondu. top, allez. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Mécanisme de base dans les jeux. Tu vas voir ta mère. Ta maman. Elle soigne. Ou dans d'autres jeux. Mécanisme de base dans la vie aussi, hein. Sauf certains cas rares. Mais, typiquement dans les Final Fantasy. Ouais, dans les Final Fantasy, tu t'approches d'un lit. J'adore. Et du coup, est-ce qu'elle a revive aussi celui qui était mort? Ouais, elle a vraiment tout mis tout à fond, quoi. Ok. Moi j'aime bien le fait qu'il y ait la petite map qui dit que bien jour, un jour elle sera une map. Moi j'aime bien le fait qu'en bas à droite t'es les thèmes avec leur statut. Même le statut d'expérience. Mm. Quand tu pexes, c'est assez intéressant. Elle est mignon. On dirait un sac à merde. Il se déplace très bizarrement. J'apprends. Et là, on est sur une maxi zone d'herbe, quoi. Tu sais, depuis que j'ai rentré dans un Pokémon Go, je me dis que. Putain, c'est un solo. Un quoi? C'est le premier solo. Oui, c'est vrai, ouais. Un petit dodo, là, en neuf. Bah, bien sûr, quand il est douillé, c'est mieux que l'hôpital. Je me suis dit que si l'autre il attaquait, on allait le défoncer. Oh, l'autre! Oh, en plus, il attaque celui qui l'attaque pas. Ne serait-ce pas un petit poison. En fait, tu vois, le chara-design, il a rien à voir avec... avec Pokémon. Ouais, bah oui. C'est ça qui est cool. Parce qu'en fait, tu vois, typiquement, là, l'oiseau, il pourrait ressembler à l'oiseau que t'as dans Alola. J'ai déjà plus son nom. Là, Toucan là. En tout cas, enfin, celui qui oui. Celui qui ressemble à un toucan, c'est ça que je veux dire. Ah, c'est bien le poison, t'as le nombre de tours, de combien ça dure. Voilà. Il fait 2 mètres. Ah. Ah. Ça, c'est un chrysalide. Chrysalide, mais même si c'est le même animal, aspiration de base, quand je vois ça, je pense pas à un chrysalide. Ouais, non, mais c'est ça qui est cool. Et c'est pour ça qu'on en discutait sur le live tout à l'heure de l'autre gars, je me souviens plus comment il s'appelait. Il avait un nom à la con avec des chiffres. Un insecte pourri là qui nous fait des armures dès le début. Quoi. Et. Armure. Timide en plus. C'était Shy Shield. On en discutait de est-ce que Nintendo va les attaquer ou quoi que ce soit, mais Nintendo ils ont aucune raison de les attaquer, il y a rien en fait, à part le fait que ce soit des créatures, enfin, dans ce cas-là ils pourraient attaquer Digimon quoi. Bah et puis d'autres RPG pourraient les attaquer. Oui voilà c'est ça. Aussi, quoi. Enfin, Attends, Thunderness, je m'en fous en fait, comment on fait? Scratch.
Hop. Je sais pas si t'as vu dans les news aussi que... ils arrêtaient le programme Nintendo Creators, c'est que du coup ils assouplissaient les règles. C'est quoi Nintendo Creators? Ben, Nintendo Creators, si j'ai bien compris, parce que je ne connais pas non plus normalement, c'est quand tu voulais être un peu diffuseur, streamer avec Nintendo et que tu ne peux pas approcher, il fallait avoir un contrat avec Nintendo. Et Nintendo prenait une partie de tes revenus liés à la diffusion de leur contenu. Ok. Et donc là, ils ont arrêté ça. Et du coup, ils ont dit bon, on arrête de faire les problèmes. Et on vous autorise à diffuser et montrer en respectant quelques règles de base qui me semblent logiques, qui est qu'en fait, il ne faut pas que ce soit du contenu brut, en fait. C'est toi en train de jouer, toi en train de commenter, finalement, pas diffuser comme ça. En fait, en gros, respecter les règles du copyright qui existent déjà. Oui, voilà, mais enfin, c'est... Alors apparemment... parce que j'ai pas encore essayé. Ils cassent les couilles les poisons là. Ils ont aussi abandonné les codes amis sur la Switch. Ah bon? Enfin. Pour utiliser le pseudo? Pour Pokémon. Donc pour échanger. Donc, juste à mon avis, il faut mettre une Switch. De Switch à Switch. Bam! Il est échoué, il va mourir. Il est vraiment rigolo lui. Tu sais qu'il y a des gens du coup qui ont gagné des concours et qui ont designé les propres trucs. Ah, c'est cool. Leurs propres trucs. Ah, j'ai l'impression que les poisons, les effets de poison ils disparaissent. Merde, c'était pas par là. Ils disparaissent dans le. À la fin des combats. Parce qu'à la fin du combat il y avait marqué il est plus empoisonné. Ça se trouve, c'était un. Du coup, tu peux choisir de fuir et rester là. Tu fais une tournée, oui. Alors, par contre, c'est chiant. Non, je vais pas faire ça. C'est chiant, c'est lent. Le premier truc que je faisais moi dans Pokémon, c'était accélérer tous les textes, les trucs et tout là. Tu sais, t'as l'option pour tout accélérer. Parce que moi, ça me fait chier sinon. Ok, c'est pas la vie. Cool. Il y a de l'eau bizarre là. J'ai l'impression que ça permet. On va pouvoir monter aux arbres. Je l'ai entendu dans un live tout à l'heure. Aux falaises ? Ouais, aux falaises, ouais. Je crois que c'est ce qu'il dit. En fait, voilà, tu vas choper un équipement à un moment donné qui te permet de monter. Bah oui, c'est sûr qu'en speedrun, t'essaies d'accélérer au maximum tous les textes, les trucs. C'est quoi que j'ai vu récemment ? Bah, rien déjà, les trucs de Super Mario Odyssey où ils les mettent en japonais pour que ça aille plus vite. Parce que forcément, il y a moins de caractères. C'est pas le chinois justement. Non, c'est le japonais. Ouais. Et en fait, c'est le japonais parce que en chinois, si tu veux donner, enfin faire un verbe ou quoi que ce soit, un truc d'une idée complexe, tu vas avoir besoin de beaucoup de kanji. Alors qu'en japonais, souvent en fait, ils ont un kanji et genre 2-3 caractères derrière qui vont du coup changer complètement le mot. Enfin, en fait, le kanji te donne l'idée générale et après, en fait, tu peux avoir. Des trucs qui n'ont rien à voir. Genre, je crois que entrer dans un endroit, c'est un truc genre Hairu et faire rentrer, insérer quelque chose, c'est Hareru. Enfin, tu vois, c'est le même kanji, donc en fait, c'est beaucoup plus court. Alors qu'en chinois, je crois que tu dois vraiment composer l'idée et dire je rentre à l'extérieur, à l'intérieur, machin. Enfin, du coup, ça peut être vraiment plus long. Mais même, il me semble avoir vu. Une run d'MV sur Final Fantasy VI où à un moment j'ai pu comprendre qu'ils ralentissaient exprès le texte pour qu'il n'y ait qu'un des persos qui gagne de l'XP et pas les autres en les faisant fuir. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, à un moment, enfin au début de Final Fantasy VI, en fait, sans te spoiler le jeu,
t'es avec un personnage que tu vas principal que tu vas récupérer dans le jeu. Et des gardes en fait, qui combattent avec toi mais on t'en fout. Et en fait le système d'expérience fait que si tu les fais fuir, donc t'as gardé ton personnage principal, elle ramasse toute l'expérience alors que le personnage aurait été divisé. Un bardi, ah non. Alors j'ai mal compris alors ce qu'il disait. C'est pas lié au texte. C'est très étrange d'ailleurs qu'on ait le chat qui soit plus ouais. À jour sur le stream que sur le truc de Crash. Ah. C'est pas lié au texte. Pour le speedrunner régulièrement, c'est pas lié au texte. C'est lié à quoi du coup? Et pourquoi on ralentirait le truc En fait, un personnage ne peut fuir que si sa barre d'ATB est complète. Mm-hmm. Je n'ai absolument pas de... Je sais pas pourquoi il y a la bourre, le chat, à droite. Hein. Ah, ok, donc c'est un moment où il lui fait fuir par rapport à l'autre. Donc lorsque tu tues les derniers ennemis, tu les fais fuir. Tu fais fuir les autres, mais si tu tues le dernier ennemi, pourquoi il y a des autres? Parce que moi je connais pas du tout le jeu, donc non, en fait, c'est quand j'imagine quand le personnage est prêt à attaquer, quand tu vas sélectionner l'action, tu sélectionnes l'action que tu vas faire, tu fais fuir les autres, mais toi ton action est enclenchée. Ah oui, et quand tu vas ouais. Tuer le dernier, ton perso il est lock dans l'action, donc du coup il allait attaquer. Avec les autres fuient et en attendant le dernier pour le tuer sur la dernière action, en fait, il y a ce que le personnage principal est tout expé. Ah oui! Ouais, je vois vaguement ce que vous voulez dire, mais. Par contre, elles ont beaucoup trop de temtem, elles. Non, je vais pas faire oh, ça. Oh, il y a un petit canard! Oui, bah, il va mourir. Shrill Voice! Poum, c'est pratique ça parce que ça attaque tout le monde. On dirait Nornithorynque avec une espèce de coquillage sur la tête et c'est un trident. C'est ça. Mais... pourquoi il a disparu? Il est mort? J'ai pas fait attention du tout. Je crois qu'il est mort. Hein. Il est mort. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre à la place? Ton starter. Mon starter. Que je ne prends pas assez souvent. Scratch. Kick. Bamboozle. Il a pris Nibble. T'es obligé d'accepter. T'as vu ce qu'il y a marqué? Non, accepte, c'est genre. Voilà, de toute façon. Ouais. T'as vu? Il y a marqué beaucoup de Temtem ont l'habitude de gentiment grignoter des plantes ou des meubles. C'est la façon moins gentille. Sur nos vies. Bon, moi ce que je veux aller, c'est dans la nouvelle ville. Et oh putain. J'aime bien les musiques. T'aimes bien les musiques? Ouais. Et alors, j'ai entendu, j'ai vu sur le chat du live tout à l'heure. Ça ressemble à Pokémon. Ça ressemble pas du tout à Pokémon. On dit le alors thème. Là... Il disait le thème principal ressemble un peu à Pokémon. J'ai l'impression que ça c'est le thème principal. J'ai l'impression que ça ressemble pas du tout à Pokémon. C'est un thème de combat ça. Ouais oh, non le truc mignon, d'avant. Le Koladzu. Canard T-shirt t'as dit. Koladzu. Ouais, je sais pas. Ça me fait plus penser à du Octopath Traveler. Ouais ça ressemble pas du tout à Pokémon je trouve. Y a pas de violon dans Pokémon. Enfin si peut-être mais...
C'est un Pokémon O. C'est un Temtem O. Ça va être difficile. Hein. Hypnose. Non, hypnose, c'est nul. Peck. Nibble. Ouais. Je pense que c'est cette partie qui leur fait penser à Pokémon. De quoi? La partie juste avant. Ouais. Qui leur fait penser à Pokémon. Ah, dans ouais, la musique? Ouais. Ça là? Ouais. Ouais, même ça, je sais pas, ça. Donc c'est pas non plus hyper. Mais il disait vraiment le thème principal, donc faudrait qu'on tombe sur le thème principal, et je sais pas ce qu'on peut appeler le thème principal. Et la mort. Il est mort aussi. Du coup, c'est lui qui a chopé toute l'XP. Ah, c'est ce qu'on disait, juste. C'est ça. Kick. Pic. Bonne nuit, Aldra. Bonne nuit, à une prochaine fois. Je reviens à la caméra pour qu'on voit plus, mais du coup après ça casse le fond vert. Voilà. Oh, on est en fait dans une pièce. Merde. Attends, parce que c'est au millimètre près. Hein. Et après le problème c'est que si on essaye de se mettre plus en arrière, bon bah déjà faut avoir des grands bras pour le clavier. Et surtout, on est flou parce que la webcam elle a une focale comme ça, de 1 mètre max. Et j'ai déjà regardé sur comment faire pour régler ça. Parce qu'en fait, là on est sur le réglage maximum du focus quoi. Et en fait, pour régler ça, il y a des mecs qui la démontent. Et en fait, tu la démontes, tu prends une pince et tu tournes le focus, la bague de focus de la webcam à l'intérieur et tu la remontes. Non, j'ai cru que c'était un truc qu'on pouvait attraper. Toi, tu pues le truc qui veut me... Ah non, c'est... Who are you? Eh, je travaille au Temporium de Brisan le Mar. Et je suis un ami du professeur. Ah, tu vois, si tu lui parles pas, du coup, t'es pas au courant que tu peux te faire soigner. Gotego. Non, Gotego. En fait, c'est comme dans Pokémon, quoi. Ils ont vraiment niqué le truc pour que tu puisses pas les éviter. Hein. C'est pas comme dans Pokémon, c'est... Donc c'est... le jeu où t'as des zones... Donc c'est des lignes. Et là, en fait, ils t'expliquent plein de trucs sur la stamina, et ensuite, ils tabassent. T'as compris? Bah. Un petit, ouais, c'est ça. Scale. Non, on a dit un petit Scratch. Windblade. Je pense qu'ils ont pris quand même des... Tu vois, les noms, ils ont des consonances d'à peu près toutes les... Enfin, autant d'anglais que de japonais, je dirais. Je sais pas du tout de quel pays ils sont les mecs qui le font le jeu. Mais j'ai l'impression qu'eux ils ont plus prévu qu'ils traduiraient jamais les noms quoi. Et ils ont pris un truc qui veut pas dire grand chose et qui fait En même temps j'ai l'impression aussi qu'ils... Dans Pokémon est-ce qu'ils traduisent de plus en plus? Ah, peut-être que dans les derniers est-ce qu'ils traduisent beaucoup. Qu'est-ce qu'on a eu comme nouveau Pokémon récemment? Les Tapu, ils sont pas traduits. Enfin, les légendaires des derniers.
Lunala. Lunala, Solgaleo. C'est pas traduit. Après, les légendaires, ils ont jamais été trop traduits, non? Mew Mewtwo, c'est facile. Bah, il s'appelle Mew Mewtwo dans toute l'heure. C'est ça. Uo, machin. Suquine, tous ces trucs-là, ça a jamais été traduit. Hein. Si. J'ai déplacé ça. Oh non! J'ai déplacé tout. Je voulais déplacer juste le. Juste le nombre de viewers. Parce qu'en fait là on est au plein milieu du truc. Oh, attends. On va plutôt le mettre là. Il n'y a rien. On va vraiment aller dans les derniers. Tu vois, genre par exemple, une des ultra chimères, elle s'appelle Pyrotechnique. Là, j'imagine que c'est traduit quoi. Tiens, regarde, j'attaque deux fois le même, mais il va crever avant, donc on va voir ce qui se passe. Donc lui, il est mort. On va voir si le deuxième perd son attaque ou s'il attaque celui qui reste. Non, il attaque celui qui reste. Ouais. C'est logique. Par contre, j'ai fait le con parce que là, je l'ai. Ouais, il y a plein qui changent de nom. Je sais pas pourquoi vous regardez stream Pokémon, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est? C'est pas typiquement celui-là. Qui est une sorte de pile. Enfin, de pile de mini. C'est des chimères, ça? Ça, c'est une ultra chimère, c'est une pile de petites unités. Qu'on appelle Ama Ama. Du coup, pour le jeu de mots avec un Ama. C'est un Ama de choses. Un Ama? Ouais, un Ama. En anglais, ça s'appelle Staka Staka. Ouais, donc pareil. Et en japonais, mais ça, tu me diras si ça. Mais je pense aussi. Tsunde Tsunde. J'imagine que ça veut dire la même chose, ouais. Et voilà. Tsunde Tsunde, ouais. Comme ça, c'était écrit comme ça. On va regarder. Oui, c'est vrai qu'ils ont changé l'interface de. Non. Tsunde. Tsunde. Non. Quoi, non. Tsunde. Tsunde. Voilà. Pagde. Ouais, donc c'est ça, c'est une pile. Et Tsunde Tsunde, c'est à la japonaise. Ouais, c'est comme nous, Amam. Ben, en fait, c'est même possible que ce soit un onomatopée chez eux. Genre, tu vois, on parlait, voilà, Fufu. Le truc où on bouffe le ramen, ça veut dire rire. C'est pas un rire, mais c'est un. C'est comme si on. Ça s'appelait haha quoi. Une onomatopée. Ouais. Pourquoi il est pas mort lui encore? Parce que tu l'as pas tué. Ça remarque ça, peut-être que je. Non, mais à chaque fois je dépasse tout. Hein. C'est mal branlé ce truc là. Peut-être que ça. Juste ça. Je peux le mettre là. Ah mais non parce que ça va tout me bouffer. Il y a des trucs en bas des fois. T'as des jolies lunettes, hein. Merci. Allez. Eh hey, j'ai eu deux éthers hein, je sais pas ce que c'est mais. C'est un méchant lui ou c'est un gentil? Ils sont un peu lents à la détente des fois. Ils écrivent enthousiastiques, je sais pas quoi. J'ai cru qu'ils faisaient partie de. Oh, il est trop mignon le fourmi. Ah oui. J'aime bien ses pattes. Et mes pattes. Et mes pattes, là, c'est pas. Ah oui, mais j'ai dit que c'était à 1h du matin la migration. Ouais. Parce que je me disais, je vais pouvoir lancer le backup, mais là, il faut que j'attende 1h du matin. J'aurais dû dire minuit, mais je me suis dit minuit, il y a des gens qui vont dire, oh ouais, mais minuit. Peut-être qu'on avait une envie soudaine de podcast. Tu peux regarder ce que j'ai envie de faire. Bah, il y a Google Analytics dessus qui t'affiche qui est connecté, mais après, c'est pas 100% fiable quoi. Parce que si les gens ils ont Adblock par exemple, ça marche pas.
Et en fait, autant ça va marcher, enfin, autant ça marche de prévenir les gens, genre Allah, enfin, genre des gens qui nous suivent sur Twitter, quoi. Mais genre. Alors pour hanter les mises en prod, même si tu préviens, t'as toujours un trou de balle qui sera là. Et qui sait qu'il devrait pas être là, mais qui sera là. Ouais, mais là, c'est même pas ça l'histoire. C'est que t'as. Christine qui est qui a 45 ans et qui vient écouter son dernier épisode de des grosses têtes. Ouais voilà. Pourquoi je te dis ça? Parce que regarde, bon là pas du tout, il y a pas les grosses têtes. Les lectures érotiques de Charlie. Alors la personne qui est sur les lectures érotiques de Charlie, j'espère qu'elle a passé une bonne nuit. Et ben en fait, enfin je te dis les grosses têtes parce qu'il y a vraiment plein de gens qui écoutent les grosses têtes. Et eh ben cette personne là, jamais il est super mignon lui. Celui qui va mourir. Ouais, il regarde la tête qu'il a. Et ben cette personne là, jamais elle sera au courant. Putain, il y a beaucoup de gens sur mobile en fait. Enfin, elle va juste dire bah le site il marche pas quoi. Bravo. Après c'est vrai que il y aura pas de enfin la page de maintenance, ce sera une page vide donc un jour on aura un vrai système de maintenance. Donc quelqu'un est mort là, j'ai pas suivi mais... Non, putain, faut que je vire cette attaque, c'est de la merde. Tous les buffs des buffs, moi je m'en sers jamais dans les Pokémon et dans les Temtem du coup. À toi. Je sais, il paraît que j'ai tort, mais j'ai l'impression que ça sert à rien et que ça me fait juste perdre un tour. Bah en fait, dans les combats comme ça, du début d'aventure, avec des dresseurs qui justement n'ont pas un gros niveau, ah oui, c'est plus une perte de temps. Là, il faut que tu flexes, tu les one shot, quelques attaques. Quand tu arrives dans le endgame, quand tu fais des combats contre d'autres personnes, c'est, ça fait tout. Ça fait tout. Ah ouais. Donc contre une autre personne, peut-être. Parce que. Mais contre un bot. Oui, contre un bot, et pas forcément au début quand tu as. Et encore, contre un bot, moi je me rappelle très bien qu'à un moment c'était hyper chiant. Là, t'avais. Sur Pokémon, l'attaque Lilliput. T'avais le dresseur en face qui te faisait deux fois Lilliput sur son gros tas de mort. C'est quoi Lilliput? Là, tout le monde de l'esquive du Pokémon. Et après, t'arrivais plus à le toucher. T'avais trop d'esquive. Ouais. Donc toutes tes attaques rapides. Y'a pas d'esquive là, j'ai l'impression. J'ai pas vu dans les stats esquive. Est-ce que tu penses. Ah oui, dans Pokémon non plus, c'est pas affiché, je crois. Y'en a pas, c'est juste une stat de combat. Ouais, il me semble que c'est sur chaque combat quoi. C'est... En fait, si, mais ça utilise la rapidité, ouais. Mais quelle agression quoi, mais laissez-nous tranquille. Oui, please. J'apprécie qu'on puisse répondre en fait. Même si ça sert à rien. Tu sais pas, peut-être qu'une fois tu. J'ai faim en plus. T'as faim? Bah ça c'est parce qu'on a pas mangé. Sentiment logique. Ouais. Je validais ton sentiment. J'ai pas besoin d'un blanc pour valider mon sentiment. Mais même si t'en as pas besoin, je me permets de certifier. Ouais, voilà, voilà, ça prend tout l'espace. Je dis pas que. J'ai que ton sentiment est pas légitime. Pas prouve que j'ai fait. C'est ça. Non, c'est quand même. Allez, ça dégage. Ouais, moi, je veux un sandwich shiny. De quoi? Je veux un sandwich shiny. Tu vas acheter un. Tu vas. Choper un shiny. Là, comme ça, juste en ouvrant. J'ai eu Coca shiny ou quoi? J'en ai 3 dans tout le jeu, je crois. Donc, du coup, il y a des shiny là-dedans aussi. Dans Temtem. Mais c'est bon, parce que vu que tu les connais pas, tu t'habitues à me sortir en shiny ou pas. C'est ça. Je sais même pas si y a un truc genre il brille ou. Tu sais, il met des petites étoiles comme dans. Comme dans Pokémon. Tu as vu le gars avec son Ponyta là? Un gars qui chassait un Ponyta shiny. Mm-hmm. Et en fait, il l'a attendu pendant genre. Il a fait 15 heures de live. Et au bout de 15 heures de live, il est tombé sur Ponyta shiny. Et il va pour la. Il court vers lui dans le dernier là dans Pokémon. Ouais, let's go. Il court vers lui et en fait il y a un Rattata qui spawn juste devant.
il va dans le Ratata, puis il fait trop drôle, Ratata, machin et tout. Et en fait, il sort du combat, il fuit le combat, et le Ponyta dépop. Ah mon dieu, mais tu tues tous les Ratata pendant 15 ans. Là, parce que t'as un temps de pop en fait sur la map. Qu'est-ce qui, d'après toi, qu'est-ce qui est effective contre les water? Nature ou fire? Nature. Ce serait illogique que ce. Eh ben non, c'est water. Ah non, mais j'ai pas compris la question. Ouais, parce que là, j'ai la bière pile devant le strong là, tu vois, donc. Alors, what about fire? You use them against water? Bah, du coup, oui, nature. Donc en fait, c'est bien ça. Il te pose des questions et après, il défonce. Il me fait peur en plus, le monsieur. Oh, oh. Est-ce que tu vois que ce serait l'évolution de l'autre hein? Je sais pas, mais ce que je vois, c'est qu'il est level 10 et que je vais manger ma race. Bien, c'est bon. Probablement. Pile sur celui qu'il fallait pas. C'est bon. Avec des moves comme ça, je suis sûr que ça, je vais trop le buter. Psy plus. Toxic sport encore. Ah, je suis mort. Il m'en reste pas beaucoup en plus des vivants, hein. Donc là j'aimerais bien qu'on arrive à la vie. Hein. Toujours vivant. Bon, je faisais les retours vers la map. Hein. Ouais, oui. Ouais, alors il doit m'en... Et en fait il me reste que celui-là parce qu'il l'a sorti direct, il m'a même pas demandé. C'est intelligent. C'est intelligent. Le Pokémon il fait toujours pas ça. Oh là là, ce manque de respect. J'ai fait ça moi. Je me souviens pas avoir choisi ça. Allez, ça dégage, c'est mort. Allez, tu meurs. T'es mort. Allez, montez les niveaux là. Ok. Ah bah du coup, il y en a deux versions, t'as vu? Ah, c'est intéressant, les attaques de l'évolution. C'est pour ça qu'il y avait Psy plus tout à l'heure. Mais il fait 50 boules lui. Ça sent la nouvelle ville. Je suis confiant. Non, je suis pas confiant parce qu'il y a deux meufs qui m'attendent à la sortie. T'as raison, je vais me faire soigner par. C'est bizarre là qu'il y a un passé là, mais qu'il y a rien. Mais disons qu'on sait pas comment ça va se passer quand tu vas faint en fait. Ouais, tu veux ton contest? Bah ça me saoule un peu, j'ai pas envie de tester. Parce que si c'est repartir de la ville là-bas... Mais ça tu vois typiquement c'est le genre de jeu où moi... Je trouve ça mignon, sympa ou autre. Mais je suis bien contente qu'on l'ait sur Switch. Parce que je pense que j'y joue un peu sur PC. Ouais bah oui, c'est pas trop le style je pense. C'est le genre de truc où j'ai envie d'avoir sur la Switch et... Balader là parce que j'ai pas du tout été regarder ce qu'il y avait ici. Rien. Top. Oh merde. Je pensais pas que c'était un truc. Attends, faut que je regarde parce qu'il y en a un où en fait. Ah donc lui il fait pas de... Voilà c'est ça. Il y en a un en fait...
Bah si, ça, ça fait du... J'ai pas compris. En fait, il y en a un où c'est quasiment le même mot, mais il y en a un, c'est j'augmente ma vitesse, et l'autre, c'est je tabasse ta gueule. Tu vois, là, il tabasse la gueule. Oh, la gifle. C'est marrant parce que tu peux taper tes potes. Ouais. Ça ne donne pas. Un Pokémon aussi, et du coup, c'est la partie de la stratégie. Tu vois, typiquement, si tu fais un séisme avec un Pokémon sol, t'as intérêt à ce que ton pote soit un Pokémon vol qui soit pas sensible du coup aux attaques sol. Ou alors, t'as des Pokémon. Qui ont des talents quand ils sont empoisonnés. Ouais, empoisonnés, je pensais genre à des trucs genre quand tu te fais attaquer directement, ça déclenche un talent ou des trucs comme ça aussi, ou un objet. Typiquement, t'as un objet qui est marrant qui s'appelle carton rouge. Quand tu te fais toucher par une attaque physique, ça fait un carton rouge au Pokémon qui t'a touché, et il est obligé de switcher. Ça sert à quoi de le faire sur toi-même du coup? Sur toi-même, ça sert à rien, mais ça évite tout. Ça sert vraiment à rien de faire ça. Fuir. La fuite. On va refaire un petit tweet. Tweet et jambes de bois. Tweet et jambes de bois. Oh, quelle surprise, ça nous attaque. Je refais un tweet. Tweet deck. Je vais te laisser, je pense. T'es fatigué? Ouais. Non, retweet-toi. Non, mais... Toujours en live. Toujours en live. Sur Pokémon... Temtem. Je pour ça. L'alpha. Tu m'abandonnes? Ouais, je m'en attends. Bon, de toute façon, je vais continuer encore une petite heure, et après je vais arrêter, je pense. Non, mais le temps de trouver l'animation. À tout à l'heure. Il est pas là. Et finalement, il s'est barré, le chien. Alors, je vais juste chercher une image de Temtem. Temtem. Image. Qu'est-ce que c'est le vœu? Hop. J'ai rien dit. Enfin, je ne t'ai rien dit. Mais la réponse est oui, mais après. Je me débrouillerai. Hop. 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 Hey, salut André, ça va? J'avais pas vu que tu étais arrivé sur ce live il y a 2 minutes. C'est Temtem. C'est un clone de Pokémon.
qui est sorti, qui a été kickstarté, et que j'ai kickstarté, c'est pour ça qu'on a accès à l'alpha. Et c'est en gros, ils se sont dit, bah on va faire comme Pokémon, le même principe, les mêmes styles de combat, des monstres que t'attrapes et tout, sauf qu'on va faire nos propres monstres, on va faire nos propres types, nos propres combats, nos propres... En fait, on prend juste le principe de base et on refait notre univers, notre lore et tous les trucs comme ça. Donc en fait, c'est vraiment un jeu comme Pokémon, mais avec aucune copie de Pokémon en termes de du monde à l'intérieur, quoi. C'est pas des vrais Pokémon. Et c'est pas. Enfin c'est pas les mêmes que les Pokémon, et c'est pas. Et c'est pas les mêmes attaques, et c'est pas les mêmes fonctionnements. Il y a le système de combat est un peu différent aussi, il y a une histoire de stamina, et les attaques utilisent de la stamina, et du coup si tu utilises trop ta stamina et que tu fais des attaques qui utilisent. Genre là j'ai 7 de stamina, si jamais je fais une attaque qui en utilise 9, et ben en fait ça va me manger 2 PV pour surmenage. Donc c'est rigolo. T'as ce système là. Et pour l'instant on vient tout juste de commencer le jeu, on a créé le personnage. Il y a je sais pas combien de temps le live est lancé, mais depuis le début du live on a juste créé le personnage et là on fait les premiers combats, on est en train de se diriger vers la première ville en fait. On a fait on a récupéré notre Temtem de base, qui n'est pas là à l'écran, notre starter, et ensuite on en a attrapé plein d'autres dans l'aventure, et là on est en train de se diriger vers la première ville. Voilà où est-ce que ça en est. Je vais rapprocher le micro un peu, enfin, peut-être pas autant parce que là sinon du coup on le voit trop, je sais pas si on m'entend assez. Comment ça va Angie? Depuis le temps on n'a pas le temps de prendre des nouvelles entre nous de par l'agitation générale des vies de tout le monde. Vous avez déménagé, ça y est? Ça se passe bien l'acclimatation à la nouvelle ville? Heavy Ball. Je sais pas, je reprends le pif. Alors c'est vraiment une alpha, ce qui est rigolo, c'est que là il n'y a pas de carte. Il y a juste un petit dessin avec marqué hey, je serai une carte un jour. Et je trouve ça rigolo. Des Temtem sauvages, mais ceux-là on les a déjà, donc ce n'est pas la peine. On va s'enfuir. Je vais en profiter pour remettre le starter devant. Lui peut-être plus le mettre là. Alors non, parce que lui il est intéressant en deuxième, mais lui en troisième. Hop. Forcément. Et donc c'est un MMORPG aussi, je sais pas si je l'ai dit. Mais c'est aussi le truc, c'est qu'ils ont pas juste refait un jeu comme ça, c'est un MMO en fait. Donc c'est le même, même principe que Pokémon, dans un monde totalement différent de Pokémon, avec un MMO, en mode MMO. Donc c'est plutôt rigolo. C'est la première fois que je vois l'évolution de Paro, Parak. Psy plus.
Et d'ici une heure, on commence la migration de PodCloud. Juste mettre à jour la base de données, mais ça va déjà prendre un peu de temps. Qui est mort? Pourquoi il est mort, lui? Arrête d'être mort! Je fais pas attention à mes temtem. Scratch. Shrill voice. Shrill voice, c'est bien, c'est, ça attaque les dents en même temps. Voilà, donc lui vient d'arriver, il est déjà mort. Une bonne ambiance. Bon. Ah, donc là c'est... Ah bah non, c'est bon, j'ai encore une place. J'ai cru que j'allais avoir besoin de virer... On va mettre Capou. Alors ça fait quoi Phaser Casting? Nimble. Voilà, donc ça augmente la vitesse. Donc ça m'intéresse pas. Et Phaser Casting, qu'est-ce que ça fait? Ah oh merde, des échecs critiques entre guillemets. Donc celle-là, c'est celui qui tient. Donner de la vitesse à quelqu'un d'autre, je comprends pas. On va pas le voir, il sera mort avant. Mais j'ai pas compris là l'attaque. Pourquoi fallait choisir une cible pour un truc qui est censé augmenter la vitesse? Ah vas-y, on prend. De l'argent. Donc là on arrive dans la ville, enfin. Je devrais pas aller leur parler. Et peut-être que... Ouais, j'ai pas compris. J'ai un peu du mal à comprendre leur système de quête pour l'instant. Alors, j'imagine qu'on était arrivé dans une ville, mais on a le truc de la ville qui s'est barré pour afficher une cinématique. Ce qui est pas très grave. Ça s'appelle une alpha. Mais on s'en fout, arrêtez de raconter votre vie. Ensuite, donc un magasin de souvenirs. Ok. Là, elle nous emmène je sais pas où, à la plage. Donc ça, c'est l'académie.
Bon, lui me dit de la merde, mais c'est normal, c'est mon rival. Là, ça va loin, je sais pas où ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? Temporium. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai l'impression qu'on peut faire des trucs avec ces choses. Ah, mais ça doit être pour soigner les... Ah, ils ont tous récupéré leur vie. C'est le centre en Pokémon, sauf que là, c'est l'ubérisation du centre Pokémon, tu fais tout à la main. J'aimerais acheter des thème cards. C'est ce qui permet, c'est les Pokéballs en fait du jeu. Je vais en acheter 25 parce que j'ai masse pognon. Qu'est-ce que c'est ça? Je me demandais ce que c'était du coup. Il connaît ma mère. Je chope bien des trucs. Donc il m'a donné une carte, c'est gentil. Je ne sais pas avec quoi je peux l'utiliser. Si je peux l'utiliser aussi. Non. Je ne pense pas que je puisse l'utiliser. Je pense qu'elle est cassée. Je pense qu'elle n'est pas encore faite, ma carte. Ça, ça m'intrigue aussi. C'est bizarre. Ok, bon, c'est rien. Donc ça, il y a un joueur qui s'appelle Elon Musk. Ça, c'est l'académie où je dois aller. Mais il n'y a personne dans les classes. Super. Et ici. Est-ce qu'il faut que j'aille là?
Ouais, il y a des espèces de quêtes, mais je sais même pas si elles fonctionnent. En fait, c'est nul cet endroit. Ils te disent que tu dois aller là, mais il n'y a rien à faire. Alors, je vais juste prendre 2 secondes pour couper le backup de PodClaws qui vient de se lancer. Alors que de toute façon, je vais en faire un à 1h du matin. Oula. Ok, c'est cassé. Je ne sais pas. Alors, du coup. On va voir le ponton qui est ici. Oui, mais lui, je l'ai vu déjà quitter. Je comprends rien aux quêtes. Donc en fait, j'ai déjà j'aimerais bien juste un bateau. Vas-y, dis-moi. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire ensuite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller à l'endroit où on n'est pas allé. On va
On va bien voir ce qui va se passer. Voilà. En plus, voilà, ça me permettra de capturer des nouveaux Temtem. Non, lui on l'a déjà. Donc on se branle. Ça dégage. Ça dégage, j'ai dit. Allez. Attends, mais t'es un bot, toi, ou t'es... T'es un bot. Et toi? T'es un bot, toi? C'est un bot. C'est la vie que j'ai choisie. Allez, j'en étais sûr. Ah mais en fait c'est les deux. Les deux m'ont attaqué, je me disais... Eh petit kick. Ah non, Feather Gazeline, c'était mieux. Allez. Attends, j'avais le... ce n'est pas très efficace tout ce que je fais. Shrill Voice, c'est pas mal, ça fait sur tout le monde. Alors, kick, pic. J'aurais dû choisir. Mais j'avais pas vu que Arthur Froment tu avais follow il y a une minute. Je rejoue l'animation du coup, parce que j'ai. Faut que je fasse un truc au niveau des sons, je sais pas, mais je la vois pas. Elle est où? Ah, d'accord qu'on la voit pas l'animation. Elle est censée s'afficher là. Vous le voyez pas, mais à l'endroit où il y a justement le Temtem. Et ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je l'ai pas vu. Je sais pas ce qu'il a ce soir, Streamlab. Il est un peu naze. Un peu. Non, ça c'est nul, on peut utiliser ça. Mais pourquoi elle s'affiche pas l'animation? Alert box. Ça va pas très bien en chien déjà. Ouais mais en fait, enfin toi tu t'es vu? Parce que moi je t'ai pas vu en fait Arthur, c'est pour ça que ça me... Que je trouve ça étrange. C'est que j'ai l'impression que ça a pas marché. Merde, j'ai une fenêtre qui a apparu qui sert à rien. Donc ça c'est moi-même. Parce que j'ai lancé un truc de test. Mais si je relance ton animation, pourquoi je la vois pas? Et pourquoi il n'y a pas eu un son ou quoi? Il n'y a rien eu. J'ai l'impression que je la vois pas en plus. Bon, et bah écoute, merci pour ce follow. Je pense que tu me fais atteindre la barre des 50 follow. Et c'est une étape importante dans Twitch. Parce que ça ouvre des avantages. Donc je te remercie pour ça. Je regarde de ce pas. Oh oui, je t'en mets une barre.
Ah non, pas du tout. Je suis toujours à 47. Ça fait quoi, c'est possible? J'ai des gens en plus qui me follow et pourtant on reste 47. Pourquoi? Comment ça marche? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce truc. Freezer Gasling. Sur le même. Salut Biscuit, ça va et toi? On teste Temtem, on vérifie un peu de fatigue. Mais de toute façon, je vais devoir m'occuper d'une migration de base de données cette nuit. Donc la nuit ne fait que commencer. J'arrive pas à dormir et moi je suis fatigué, j'ai pas envie de. J'ai pas envie de rester debout, mais finalement il va falloir que je le fasse. Faudrait qu'on échange nos places. Je connais pas du tout ce dont tu me parles, Arthur. On va encore se faire agresser. Voilà, dès que tu fais deux pas, tu te fais agresser. À chaque fois, il te laisse croire que tu peux réussir à ne pas faire un combat, et en fait, tu finis toujours par faire le combat quand même. Donc, du coup, ça ne marche pas. Kick. Pardon. C'est pas très amusant. C'est pas très amusant de mourir autant. Ah merde, j'ai ce truc là qui s'est barré. J'ai le truc d'OBS qui pète un peu un câble. Excusez-moi, je prends une seconde pour réafficher ça correctement. Hop. Alors, Charles, le podcast, le bureau des mystères et MVCDLM. Ils étaient dans la playlist de Barberousse en tant qu'invité. Ah, je ne savais pas, je n'ai pas. Je n'ai pas encore écouté. Écouté ça. Enfin, ça me dit rien. Ah oui, c'est pas bien. Ouais. Heavy Blow, c'est un de mes nouveaux ça. Toxisport. Ouais, du coup on sait toujours pas pourquoi ton follow il s'affiche pas, Arthur. En fait j'ai installé un nouveau layout et j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui marchent pas. Genre là je le vois toujours pas t'afficher. Ah, si on fait celui de Louis de tout à l'heure, ça s'affiche. Toi, je te vois pas. Tu vois là je viens de cliquer sur toi et pareil ça ne se réaffiche pas, je ne comprends pas. C'est fou quoi. Twitch te Streamlabs te. Str
Streamlabs te censure, Arthur. Je ne sais pas pourquoi. On va faire Eddie Blue encore. Sur lui. On va faire Urushion sur lui. Donc lui il est haut. Il faudrait peut-être que je commence à soigner les Temtem parce que là ils s'en prennent plein la gueule. Oh. Ça fait quoi ça du coup exactement? Allez. Non, celui d'en dessous. C'est chiant. J'arrive pas à avoir le truc que je veux. Aïe, donc c'est vraiment poison quoi. Poison plus plus. Et du coup, c'est quoi le Bureau des Mystères? C'est un podcast qui parle de mystères, j'imagine. Oh, x2. Pas mal ça. Je ne saurais pas te dire pour le coup, d'habitude, quand je fais les gens, ils me remarquent. Même Shutan tout récemment, enfin le principal est qu'il soit pris en compte. Ah non, mais c'est vraiment juste. C'est un truc bizarre, je sais pas pourquoi ça marche pas. Juste sur toi, parce que tu vois, regarde, si je refais. Parce que je peux relancer des follows qui sont apparus. Et en fait, je relance Rekino, ça fonctionne. Je relance Dewey. Dewey, ça fonctionne. Et si, regarde, si je relance Aldra, qui m'a suivi sur YouTube, donc il a une alerte différente, tu vas voir que ça fonctionne. Par contre, si je le fais... Ah bah ça le fait pas, parce que oui, je l'ai lancé plusieurs fois. Si je le fais... je vais avancer. Si je le fais voilà, avec Aldra, et si je le fais avec toi, je sais pas pourquoi, ça ne l'affiche pas pour toi. Je l'ai fait 15 fois avec elle. Je comprends pas pourquoi, sur le tien, ça veut pas s'afficher, je ne sais pas. Mais c'est bon, on a compris que celui d'Aldra il... Et bon, et donc tu vois, j'ai cliqué sur le tien derrière, au moins 15 fois aussi. Et ça ne s'affiche pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment... Et Biscuit, ou Biscuit, je ne sais pas comment ça se prononce, merci pour ton follow, et tu vois, ça vient de s'afficher. Il vient de me follow et ça s'est affiché immédiatement. Donc je sais pas pourquoi toi, ça ne veut pas s'afficher, Arthur, mais... C'est pas très grave, hein, je l'ai vu que tu m'avais follow, et j'en suis très content, et je te remercie. Mais ça, c'est un peu intriguant, en fait, c'est juste ça. C'est pour ça que je me pose juste la question, de pourquoi toi, ça ne marche pas. Je sais pas si c'est peut-être juste le fait que t'as un nombre dans ton pseudo, mais... le nombre 21, c'est peut-être ça. Je suis en train de crever complètement, hein. J'en ai de moins en moins des Temtem. J'aimerais bien qu'on arrive à une ville, du coup. Bon, on va se concentrer sur... Ah, mais attendez, j'ai l'impression que... Ah là c'est vert, donc ça voudrait dire qu'il est pas sensible ou qu'il est bien sensible. Donc c'est très efficace. J'avais pas vu ce petit détail comme quoi il y avait le rond, le cercle, qui te disait si... Biscuit c'est nickel. Je t'appellerai Biscuit à partir de maintenant. J'avais pas vu, je sais pas si le cercle, ça, quand il est vert, ça veut dire que c'est efficace ou pas efficace. J'ai l'impression que ça veut dire que c'est efficace. Le Bureau des Mystères, c'est les histoires fantastiques plus ou moins légendes urbaines animées en duo issues de la production de Riviera Ferraille. D'accord. Ça a aucun rapport avec Lionel Camille,
qui faisait le même genre de choses. Au niveau podcast de trucs étranges. Alors si... Non, parce que Hypnose, c'est pas intéressant, ça fait que les faire dormir. Eh ben Temtem, pour l'instant, moi, je trouve ça bien. C'est rigolo. Ça se voit qu'on est en alpha, ça manque un peu de... Tu sais pas trop qu'est-ce que tu dois faire dans l'histoire ou quoi. Après, c'est un MMO, donc c'est pas non plus étonnant... que tu sois pas trop guidé, que tu puisses te balader où tu veux, mais là j'ai un peu du mal à comprendre ce que je dois faire des fois. En fait j'ai l'impression que les gens me donnent des quêtes, mais il n'y a pas de journal de quêtes, donc je suis pas bien sûr. Ok d'accord, donc quand c'est rouge, ça veut dire que c'est pas efficace. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est très efficace. Très bien. Je vais faire par crever moi. Windblade, c'est efficace ça ou pas? C'est pas marqué. Et genre si je fais pic, c'est pas plus efficace que ça. On va faire Windblade. Ouais c'est ça, c'est joli ce truc en cel shading, un peu dessin et tout. Non c'est sympa, le style graphique est vraiment cool et ça leur donne une vraie patte, un vrai style à eux. Putain x2. Il te tarde la sortie du jeu, même à 27 ans. Je pense pas que ce soit lié à l'âge, non plus ce genre de choses quoi. Mais je sais pas s'il me tarde la sortie du jeu, mais je suis content de tester l'alpha. Ça me fait plaisir d'avoir accès au truc en avance et de voir en fait qu'il est vraiment bien. Surtout quand on voit les trucs style Fallout là qui sont sortis pas en alpha, qui sont sortis en version finale et où tout le monde dit que c'est complètement buggé et que ça marche mal et là tu vois une alpha avec vraiment plein de contenu et qui fonctionne super bien et du coup tu te dis qu'il y a des petits développeurs indépendants qui arrivent à faire des trucs hyper clean en alpha quoi. Attends, mais d'où c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu dépasses... C'est quoi? C'est si tu dépasses 25 ans, t'es trop vieux? C'est trop vieux pour quoi? Pour le jeu vidéo ou pour un truc qui ressemble à Pokémon? Parce qu'avec qui, on a acheté le Pokémon Let's Go, on l'a précommandé avec la Pokéball et tout. Et on a tous les deux plus de 25 ans. Pas en cumulé. En cumulé, on a plus de 50 ans. Les jeux vidéo, c'est plus... C'est pas un truc pour les enfants, c'est un vrai produit culturel, peu importe l'âge maintenant. C'est dommage si des personnes dans ton entourage pensent que c'est un truc de gamin et qu'il faut que... Je crois que j'ai plus de Temtem, là. Qu'est-ce qui se passe, du coup? J'ai perdu de l'argent. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas ça que je voulais faire? Ah non, ça c'est pour échanger. Moi je veux soigner. Oh oui, là ça compte pas du tout sur ces trucs-là. C'est pas une question d'âge, je pense que c'est une question de génération en réalité, de génération et de personnalité. Mais t'as... beaucoup plus de gens... Non, je sais pas, je pense que c'est peut-être même plus une question de personnalité que de génération. Parce que t'as des gens qui ont 60 ans et qui adorent jouer à des jeux vidéo.
Ah, on l'a pas celui-là. Je vais l'attraper. T'as deux filles et c'est tes deux filles qui te disent. Que les jeux vidéo c'est pas de ton âge. Bah non. Ah oui, non, c'est vrai que du coup c'est. Quand tu utilises les Temtem cards. Ouais, il n'y a pas d'animation encore hein, sur quand tu les attrapes. Bah, tu vois, il y a des trucs genre. Moi, j'ai bossé dans un. Ah, tiens. Ah oui, c'est ceux avec qui on a perdu tout à l'heure. J'ai bossé dans une boîte où la moyenne d'âge c'était 40-50 ans. Et ils étaient tous à fond sur des montres hyper chères suisses, ou pas suisses, mais des montres mécaniques suisses, ou pas suisses. Et moi j'avais 19 ans à l'époque, ou 18 ans, et j'avais l'impression que c'était... Enfin, eux aussi avaient l'impression que c'était générationnel. Et ils disaient, ouais, mais tu comprendras plus tard, quand tu seras plus vieux et tout. Et en fait, non, c'est juste que c'est des délires qui changent selon les gens et tout, parce que je connais, j'ai connu déjà à cette époque-là d'autres personnes qui avaient, pareil, 40 ans, qui s'en foutaient complètement des montres. Et moi, en vieillissant, j'ai pas plus envie de m'acheter une montre mécanique à 5000 boules. Et je connais plein de gens, en fait, qui, peu importe les âges, qui s'en foutent des montres et qui trouvent que c'est débile d'acheter des montres à 30 000 boules ou à 10 000 boules ou à 3 000 boules ou même au final qui juste s'en foutent et veulent pas acheter de montres sans porter de jugement sur ceux qui les achètent. Voilà, je ne sais pas si mon discours était très clair. Attends, les parents amis qui comprennent pas, pourtant ça joue à Fortnite, ils jouent à Fortnite et ils te critiquent entre guillemets sur le fait que t'attends impatiemment la sortie d'un jeu, mais c'est un peu débile, c'est bah je sans insulter tes amis mais c'est un peu c'est con comme comportement vu qu'eux aussi jouent à un jeu et sont des joueurs. Est-ce que t'es sûr qu'ils font pas ça, ils te disent pas ça juste pour t'emmerder quoi? Juste pour te taquiner, quoi. Et peut-être que probablement tu joueras à des jeux avec tes enfants à un moment donné, je te le souhaite. Peut-être que tu n'auras pas de chance et que tes filles en fait elles ont pas du tout envie de jouer aux jeux vidéo et que tu les saouleras. Voilà, anti-Pokémon, je... En fait, c'est quoi? C'est un espèce de trucs où ils vont te dire ouais mais en fait Pokémon c'est pour les gamins et en fait Fortnite c'est trop un jeu d'adulte quoi, alors que Fortnite je trouve aussi, enfin moi je trouve que Fortnite c'est pour les gamins et que t'as que c'est pas vrai parce que t'as pas que ça, on le sait très bien, mais que la majorité des joueurs ça va être des gamins de 16 ans qui vont passer leur vie dessus. Moi aussi je peux te sortir des trucs comme ça, et même quand je le dis, tu vois, j'ai du mal à le dire parce que j'y crois pas moi-même. Mais je, enfin, c'est le cliché que j'ai en tête, donc si eux ils ont le cliché de Pokémon en tête avec... Parce qu'en fait le truc c'est que les gens qui jouaient à Pokémon c'était des petits gamins de 10 ans, mais c'était des petits gamins de 10 ans il y a 20 ans quoi, donc enfin...
c'est débile d'avoir gardé ce cliché là en tête, surtout que s'ils ont à peu près ton âge et mon âge et tout, ils étaient dans ces eaux là quand le jeu est sorti quoi, donc en fait ils ont grandi avec aussi, même s'ils ont pas aimé ou qu'ils y ont pas joué ou quoi que ce soit, mais les gens qui y jouaient, qu'ils ont en tête probablement quand ils ont ce cliché de c'est pour les gamins, et ben en fait c'était des gens qui avaient le même âge qu'eux quand c'est sorti, enfin. Mais du coup, toi, tu Biscuit, tu as pas backé le jeu ou quoi que ce soit, parce que t'as pas si t'as hâte qui sort, j'imagine, c'est que t'as pas accès à l'alpha, ou alors si t'as accès. Tu jouais avec eux avant de laisser. Non mais oui, c'est sûr que Pokémon, c'est... Moi ça m'a fait un peu bizarre quand à l'époque où je fumais, j'étais allé acheter des clopes dans un bureau de tabac et que j'ai vu une grand-mère dire « Je vais vous prendre des cartes Pokémon pour mon petit-fils. » Et son petit-fils, il avait pas 25 ans, son petit-fils, il était à côté d'elle. Il avait 8-10 ans et moi j'en avais presque 25 et en fait c'était bizarre parce que moi quand j'étais petit j'en avais acheté des cartes Pokémon. J'imagine que t'as découvert le jeu aujourd'hui Biscuit, parce que sinon je comprends pas la phrase j'ai découragé le jeu. Je soupçonne que t'es sur mobile et que ça te fait des corrections d'orthographe un peu chelou. Ouais, Pokémon Go, ça a touché beaucoup de monde. Mais il y a même des gens... Ouais, qui étaient même de génération d'avant, qui se sont mis à attraper... Ou même des gens qui sont foutés de Pokémon, qui juste pour le côté ludique se sont mis à attraper des Pokémon dans la rue. Parce que c'était rigolo de le faire comme ça, quoi. Merde. J'aurais pas dû faire Scratch, c'est de la merde Scratch. Ah bah c'était pas tant de la merde que ça, ça va. Ah oh, j'en étais sûr, j'ai augmenté sa vitesse. C'est cette putain d'attaque Nimble là qui ressemble à une autre... Je crois que s'il y en a une c'est Nimble et l'autre c'est Nibble. Et en fait il y en a une qui augmente la vitesse et une qui augmente... et une qui tape. Et je... à chaque fois je confonds les deux. On va essayer de tuer tout seul. C'est ce fameux système dans Temtem là qui est vachement bien. Que, bon là lui est mort mais genre lui tu vois il a plus de stamina. Si jamais je fais une attaque qui fait plus de 2 avec lui. Ah bah tiens il évolue. Ah elle est classe l'animation quand ils évoluent. Ça coûte. Et bah tu vois en fait quand on n'a pas pu le voir du coup parce que il a évolué, mais quand ils ont plus de... Ah bah si là, voilà, il en a plus. Là, ça coûte, si jamais je le fais attaquer, si je fais un truc de 4, ça va me bouffer un PV. Si je fais ça, ça va me bouffer 9-3-6. Donc du coup, en fait, on peut lui dire, je passe mon tour pour qu'il puisse regagner de la stamina. Voilà. C'était l'explication de comment marche la stamina dans ce jeu. Je trouve ça génial comme système. Premier Temtem qui a évolué. Il est marrant comme ça.
Je sais pas s'il y aura un live demain. Les lives sont très aléatoires sur ma chaîne. Ah, Swally évolue aussi. Les lives sont très très aléatoires sur ma chaîne. En général, je préviens surtout sur Twitter. Et sinon, bah, je live, ça envoie une alerte quoi. Mais enfin, ça envoie une notif ou ça l'affiche dans les trucs. Donc, c'est vraiment très aléatoire. Mais en général, c'est le soir quand même. Donc, je peux pas te dire s'il y aura demain ou pas. Ça dépendra de. Surtout que ce soir, je fais. Je bosse la nuit, entre guillemets. Donc, je sais pas trop comment, dans quel état je serai demain. Mais bonne nuit, du coup, Biscuit. Pour terminer cette longue phrase. Hop. Ouais, voilà, les images Panini. Bah, par exemple, moi, les images Panini, je m'en fous. Et je sais qu'il y a des gens de ma génération qui ont été à fond dedans, de celles d'avant, de celles d'après. Voilà, donc ça, Nimble, ça. Ça rajoute de la vitesse. Alors que... Je crois que l'autre c'est Numble ou Nibble. A bientôt Biscuit. Bonne nuit à toi. Merci d'être passé. Qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? On va faire ce truc-là. En fait, ils sont beaucoup plus forts que moi là, donc j'espère que je vais pas me mourir et me péter la gueule. Ah mince, j'ai pas vu. Je suis en train de regarder le live. Je vais crever, hein. Voilà. Il est mort. Salut Benji, merci à toi pour ton message. Et bisous à toi également et à toute personne à qui tu as envie de le transmettre. Je suis mort, hein. Je suis mort, je pense que ça va sonner la fin du live. Parce que de toute façon il est 43 et qu'on a dit qu'on avait commencé la mise à jour de PodCloud à 1h et pas à 21h. Et du coup ce serait bien que je puisse grignoter un truc avant de commencer à lancer les trucs et tout. Donc du coup, je pense que je vais couper le live ici et je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je suis très content d'avoir fait ce live à vos côtés. Et je vais échanger celui-ci avec celui-ci. Voilà. Et je me disais comment sauvegarder, mais en fait il n'y a pas besoin de sauvegarder vu qu'on est dans un MMO. Donc tout est sauvegardé de base. Allez, bonne soirée à tous et donc à une prochaine fois. Probablement sur ce jeu là aussi, je pense que je vais faire quelques lives dessus parce que c'est neuf et intéressant. Il y a plein de trucs à faire. Je pense qu'il va falloir que je pexe un peu malheureusement. Que je déteste faire. Mais s'ils font évoluer l'alpha, ce sera toujours intéressant de voir les nouveautés avec le temps. Sur ce, bonne nuit à tous et à la prochaine. Et peut-être que je relancerai un live dans la nuit si jamais j'ai des tâches d'importation de base de données qui sont trop longues et que du coup je m'ennuie. Allez, salut!